le zéro qui t'indique les kilomètres heure, mais tu as l'aiguille à gauche, là, si j'accélère, le moteur tourne plus vite. Comme je suis au point mort, ça reste à 0 km/h. Donc si tu cales, non, je vais provoquer un calage, je vais maintenir le frein et lâcher l'embrayage, ça va caler. En première, ça sera mieux. L'aiguille tombe à 0. Donc si tu te poses la question, est-ce que j'ai calé ou pas, regarde l'aiguille. Si elle est en berne à 0, c'est que tu as calé. Si elle est grimpée, c'est que tu n'as pas calé.